Élection annulée. Élection annulée. Donc, Kimbuta éliminé. Éliminé. Jekoko. Éliminé. Bangonyo est éliminé. Voilà, voilà, Mandeko. En direct, en direct. Nous avons combattu pour la RDC. Aujourd'hui, nous combattons pour le changement. Toboy la continuité. Voilà Bandeko, nous sommes en direct de Kinshasa. Ici, c'est la joie. Il semble que les élections sénatoriales ont été annulées. C'est pour ça que vous voyez une telle effervescence. C'est pour ça que vous voyez une telle joie. Population va sepeli. Va sepeli makasi. Va lobby que va annuler l'élection. Est-ce que Yassolo va annuler l'élection? Yassolo peut là-bas. Va annuler. Yassolo va annuler ma élection. Il y a ma corrupteur. Va annuler en gros. Honnêtement, un pas de côté, il faut déjà Kangamba à Kende ce pays. Ce pays né. Ce pays né. Ce pays né à la Kende. Bah gouverneur, il y a RDC, il y a tout, il y a Konomé, il y a Konomé. Un arbre a de la vie quand la racine est là. La base c'est la racine. Comme la racine vient de se prononcer, nous acceptons tout. Nous ne pouvons pas travailler avec un sénat inféodé corrompu. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je voulais vous faire vivre l'ambiance ici à Kinshasa. Vous voyez qu'il y a eu la suspension, semble, des élections sénatoriales. Ça a créé beaucoup de joie et beaucoup de remous ici. En tout cas, comme on dit, à chaque chose, malheur est bon. Donc ici, corruption, Yabatou Misusu, ça a démontré que il y a un mal profond pour lequel il fallait lutter. Et ce mal profond aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est
c'est la gabegie du pouvoir et aujourd'hui il est temps que nous puissions nous en occuper. Il est temps qu'aujourd'hui le peuple s'en occupe personnellement et je crois qu'aujourd'hui cette prise de conscience de la population, cette prise de conscience du peuple congolais est vraiment à encourager. Donc nous devons leur montrer qu'aujourd'hui les vrais gardiens du temple qui est la RDC, c'est le peuple et que rien ne se fera sans le peuple et que ça sera le peuple qui sera toujours souverain. C'est le peuple qui a voté les élus et c'est tout à fait normal que le peuple ait son mot à dire. Nous sommes à la permanence, hein, comme vous voyez, y a du monde fou un peu partout. Regardez derrière moi, regardez si je tourne, c'est un peu partout. Donc voilà, maintenant, je crois que aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en question qui doivent se faire ici, dans ce pays. Savoir et connaître peut-être l'utilité de ce Sénat. Est-ce que ce Sénat est important? Est-ce que ce Sénat vaut encore la peine? Pourquoi dépenser tant d'argent pendant que le peuple souffre pour des institutions qui ne sont pas nécessaires? Je crois que le Parlement suffit et on doit dissoudre ce Sénat. Et j'en profite pour dire que durant mon séjour ici à Kinshasa, nous allons nous battre pour d'autres choses, pour la double nationalité. Nous allons nous battre au Parlement avec Ndeko Eliezer par rapport à ce sujet-là. Donc au Talapé Makamboyo, il y a bas taxes, il y a aéroport, parce que 55 $, c'est vraiment, c'est pas possible qu'on puisse payer une taxe, alors que dans les billets d'avion, il y a déjà une taxe, et encore payer 55 $, c'est vraiment une grosse escroquerie, et nous disons non à cette escroquerie. Nous disons non à la mauvaise gouvernance. Je crois que Fatshi est de bonne foi, et nous allons aller de l'avant avec Fatshi. Alors, je vais vous montrer, je vais peut-être tourner la caméra. Voilà, comme ça vous voyez, vraiment, il y a les gens qui sont en nombre ici à Kinshasa, ici au siège de la base. Il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de gens. Voilà. Nous étions là, nous vous avons dit que nous serons là pour vous. Regardez, vraiment, il y a du mouvement partout. Aujourd'hui, le peuple ne veut plus se laisser faire. Regardez, donc... voilà, merci, merci. Base de Makambo. Pour vrai peuple congolais. Mais Fayoula le bica ça la soulèvement populaire. Aussi vu sa émission la biso. J'espère que vous c'est pelli. Tu as vu que effervescence à Nalimete. La 10e rue, nous avons la Bino Moro, base à Zawana. Base à Zawana massivement présent. Tout le monde que les soldats du peuple paient Bazali, Bazawana. On a maintien de l'ordre. Donc, quand on est Bino Moro, Bozomona. Donc,
voilà, c'est la fin. Merci à vous tous. Nous vous l'avions promis, nous serons là pour vous. Nous allons continuer à travailler pour le peuple et nous allons dénoncer au pays. Nous allons nous battre contre les médiocres au pays. Nous allons nous battre pour un état de droit. Nous allons nous battre pour la fin de la corruption. Et je crois que nous sommes sur des bonnes voies parce que aujourd'hui, nous voyons que le peuple est vigilant et que le peuple n'est plus prêt aujourd'hui à se laisser faire. Voilà. Merci Bandegonios, Oyobolandi Biso. Awa Tozaki, Nalimete. À très bientôt.